On est confronté à une épidémie d'un type qu'on n'a jamais vu, une ampleur qu'on n'a jamais vue par la répartition du nombre de cas sur le territoire. Il y a eu des cas en Nzérékorée, des cas à Macenta, des cas à Kissidougou, à Kéguédou, maintenant à Conakry. Ça nous complique énormément la tâche, les autres épidémies étant beaucoup plus concentrées que celles auxquelles on est confronté actuellement. On est confronté à la souche la plus agressive d'Ebola, la souche Zaïre. C'est une souche qui tue plus de 9 personnes sur 10. Il n'y a pas de traitement, donc nous n'avons pas un médicament qui tue spécifiquement le virus. Notre action vise à les rendre plus forts, à faire en sorte que leur corps ne soit pas déshydraté, afin qu'ils arrivent à produire des anticorps qui nettoieront alors le virus de leur corps.